Professeur Sahiri, que faire vient de sortir? Oui. Alors, que faire? Que faire? Ben, lire. Il faut lire. Ouais. Je pense que c'est un livre que j'invite beaucoup d'Africains à lire. À lire parce que nous sommes aujourd'hui dans presque tous les pays d'Afrique dans une situation où la gouvernance ne marche pas. C'est-à-dire, on a des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, on a des chefs d'État qui ne sont pas là pour l'intérêt général, qui mettent le budget de l'État au service de leur famille ou de leurs proches. Donc, il est temps que les Africains réagissent pour que les choses changent et qu'il y ait une certaine évolution de la société, de la vie. La vie doit s'améliorer. Les gens, les peuples qui travaillent et qui produisent qui produisent les fonds d'un pays, le budget d'un pays, ces gens-là doivent être en retour récompensés et pouvoir avoir le minimum vital pour vivre. Or, il se trouve que dans les pays africains, généralement, c'est la misère, c'est la pauvreté, l'école ne marche pas, les gens n'ont pas droit, donc on ne jouissent pas de leurs droits, et les libertés même sont confisquées, les droits de l'homme sont violés. Donc, j'ai écrit ce livre pour interpeller les Africains à prendre leurs responsabilités et à faire en sorte que les situations dans chaque pays d'Afrique changent. Ouais. Voilà l'objectif du livre. Donc, comme tu me l'as demandé, que faire, mais il faut lire. Il faut lire. Il faut lire et moi, je suis disponible pour en discuter avec tous ceux qui ne sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec le contenu. D'accord. Ok, là, tu as touché à un problème clé, là, parce que quand tu parles de gouvernance, et tout ça, est-ce que là, tu nous invites à prendre notre responsabilité, mais vu comment nos pays sont dirigés, est-ce que... comment est-ce qu'on pourrait faire, justement, parce que prendre nos responsabilités, ça veut dire qu'il faut que par tous les moyens, on arrive à dégommer ces gens-là qui prennent le pouvoir en otage. Oui. Alors comment c'est ça là, oui, c'est... Oui, il faut les dégommer. Et quand je dis dégommer, je n'appelle pas à la violence. Et dans le livre, je donne des exemples où il y a eu des changements de pouvoir sans qu'il y ait, sans qu'il soit versé une seule goutte de sang. Oui. Je donne l'exemple dans le livre de la Tunisie. Où Ali Ben Ali a fait ce qu'il a appelé un coup d'état médical. Il a tout simplement réuni des médecins et leur a demandé de produire, de faire l'état, le bilan de santé de Bourguiba. Il n'y a pas eu de sang versé. Donc, quand j'appelle au changement ou même au soulèvement, ce n'est pas forcément qu'on tue des gens. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire que quand on est dans une situation qu'on n'est plus à l'aise. Quand on est dans une maison, quand l'air devient irrespirable, il faut sortir. Il faut en sortir, il faut trouver une solution. Et voilà donc l'objet de mon livre, c'est comment sortir des impasses dans lesquelles les pays africains se trouvent aujourd'hui. Donc, on a vu aussi un pays comme le Mali, qui a mis fin à la dictature de Moussa Traoré. Il a fallu simplement le courage d'un homme qu'on a appelé ATT, Toumani Touré, pour déposer simplement Moussa Traoré. Donc, le changement, la révolution, le soulèvement populaire ne signifie pas forcément qu'il est du sang. On a vu par exemple aussi à Madagascar, où les gens sont sortis, ils ont dit, nous ne rentrons pas chez nous tant que le président ne démissionne pas. Il n'y a pas eu de sang versé. Mais j'appelle à une prise de conscience et de responsabilité vis-à-vis des situations que nous vivons dans les pays d'Afrique. Merci. Professeur Sahiri, je sais que ça se trouve un peu partout. Un peu partout. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci, okay. Frère. Merci et bonne continuation. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir.